Donc voici la présentation de la lecture au pia coulisse. Donc le pia coulisse se décompose de différents éléments. Vous avez donc les béquilles externes pour des prises de côte extérieures, les béquilles internes pour des prises de côte dans des perçages. Vous avez en fait ici le vernier, la règle de lecture, la petite molette de serrage. Donc en fait, lorsque l'on effectue une prise de côte, on vient déplacer la partie mobile par rapport à la partie fixe et la lecture se fait sur le petit zéro. Par exemple ici, le problème c'est que mon zéro il n'est pas dans l'axe d'un de mes résultats, donc je vais pas avoir quelque chose de précis au millimètre, ce sera au dixième de millimètre. Cette lecture est un peu plus complexe. Sur le principe de la mesure, on voit tout simplement que lorsque je suis à zéro, j'ai un décalage, tac, je suis à 1, et là on voit qu'on a la mesure au dixième, mais au millimètre, mais pas au dixième. Pour avoir la lecture au dixième, il faut chercher à être dans l'axe ici. Donc, qu'est-ce qui va être bien axé pour pouvoir avoir? On peut regarder ici. Par exemple, là, on est à 2,5. Si on a un décalage, là, on est presque. Alors, on a le 9 en face. On serait à 5, 0,9. La cote totale serait de 5,9. Donc, voici pour cette lecture au dixième sur un pied à coulisse.